Ces gigantesques herbivores consomment jusqu'à 30 kg de nourriture par jour. En ce moment, ils ont tout ce qu'il leur faut. Mais ça ne va pas durer. La matriarche sait que l'hiver sera bientôt de retour dans la forêt. Un apport constant d'aliments de qualité les aidera à survivre à la saison qui les attend. Leur préparation passe aussi par une modification de leur aspect physique. Ils commencent à se couvrir d'un épais manteau d'hiver, dont les poils peuvent atteindre une trentaine de centimètres par endroit. Ainsi, ils seront bien au chaud pendant la saison froide. Mais tout cela a un prix. Cette fourrure les démange. Et pour couronner le tout, des fruits de bardane viennent s'y accrocher. La journée se réchauffe. Les insectes s'amassent. C'est presque insoutenable. La matriarche connaît la chanson. Elle se frotte contre des souches et des rochers pour se soulager. Mais pour certains petits, c'est tout nouveau. Et ils ont encore beaucoup à apprendre. Se gratter ainsi permet de soulager les démangeaisons. Mais les insectes sont tenaces. La matriarche s'avoue vaincue. Le plus grand mammifère terrestre d'Europe, forcé de s'incliner devant de minuscules créatures.